Salutations YouTube. On joue Eden, histoire de pas toujours jouer The Lost, même si The Lost, pareil, doit juste faire Mother pour terminer sa carte. On va essayer de terminer la carte de Eden à la place. Je n'ai pas rechargé la machine d'argent. Ah oui, c'est vrai. Fuck. Didudu. Wouah. Oh là là. Ok. Burning Basement avec un build incroyable et Marked Tears. On a un bon débit de larmes, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah oui. Ah oui, c'est chiant. Ah oui. Ah oui, oui, c'est chiant, ouais. Ah ouais. Ah, ça va être incroyable, ça. Alors, j'ai le Spider-Bud pour faire un slow de masse. Ralentissement de masse. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant, c'est incroyable. Hein. C'est rarement aussi autant fait chier. Hein. Et pourtant, on s'est fait chier sur cette chaîne. Ça va chercher mon objet. Une run qui joue double sticks, exact. Ah oui, en plus, c'est pour Mother. Let's go. Ça fait chier, j'ai un cœur bleu, du coup la curse room semi-worse. J'ai pas de bombe. Hein. Que la secrète est sûrement à côté, mais... Ah bah tiens, en parlant de secrète, la petite fée Navi nous indiquera où sont les diverses choses. Oui non, elle tripait. La secrète, elle est en haut là. Ouais, comme prévu. Petite bombe là. La couche usée. On est content. J'ai pas de bombe, j'ai pas de bombe. Ah putain, mais attendez. Si j'ai pas. Si mon build devient pas puissant très vite, ça va être sympa le downpour. Ou le dross avec ce truc de mort. Oh là là. Ah. 2... Oh. Bravo. Bravo. Oh, c'est sublime ça. Sublime de s'être fait toucher. Je dois acheter le cœur du coup, mais j'ai pas de thune. Ça, c'est bien. Je vais encore devoir... bon... Ah, mais j'ai pas de bombe. Il me faut une pièce dans un des poupes, là. C'est crucial. Oui, du coup, je vais faire la curse. Mais... Et je sais qu'il y a la super secrète, t'es mignonne, mais j'ai pas de bombe. Oh, j'ai rien. Ça pue, le sexe. Une pièce. Oh, la pire curse room. Une pièce. Au moins que j'achète mon cœur bleu. Sinon, je repars à poil, mais à poil. Hein. Du daston pour les devil deals moins chers. Catastrophe. Oh, oui. Misère. Mais au moins on a eu un gros damage up. Bravo. Est-ce qu'on pourrait repartir sur genre un basement? Voilà. Merci à toutes et tous pour les subs. Oh la biblio hein. La biblio hein. Oh le bookworm. Ah oui, mais le problème c'est que si j'utilise le bouquin des révélations, je vais forcément avoir un truc qui va me filer un Meat Boy. Et j'en ai un peu rien à branler, non? Qu'en pensez-vous? Et d'à côté, les cœurs bleus, c'est glam. Surtout si je prends du Devil Deal. Oui, après le boss, je peux l'utiliser après le boss. Mais c'est un peu dommage de dire non au cœur. Mais je pense qu'on va être obligé.
Ainsi va la vie. Bon allez, c'est nul, mais je l'utilise quand même, on sait jamais. Ok. Oh. Ouh. 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 Faut que je garde une clé pour l'après-boss, bien sûr. Oh, merde. Non, revenez. Oh non. Oh, j'ai voulu tenter un move MLG, mais je vais pouvoir le retenter après. Ne vous inquiétez pas. C'était de la merde. Merci à tous. Oh non. Oh, si j'avais su, j'aurais joué Planétarium. Oh. 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 Ouais, je sais, Micheline. Ah, le truc pour soulever les pierres. Ah oui, non, mais c'est vrai que je dois jouer mon autre truc. Je regrette. Je vais pas m'énerver. Ok, ça c'est une bonne salle pour le book. Sérieusement, oh c'est chiant. Oh c'est méga chiant. Officiel. Officiel de la merde. De la marde, c'est de la marde. Ok. Ah merde, je croyais que ça comptait comme une grosse salle et que j'allais avoir le book. Mais non, ça compte juste comme une salle au niveau des charges. Et bah ma vie pue la merde. Oui, bravo! Bravo! Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Arrête de tirer. Je sais plus comment on fait. Vas-y, hein. Foutu pour foutu, on y va à fond, quoi. C'est chiant. Mais j'ai même pas pris le troisième bouquin pour avoir Bookworm, je suis un génie. Qu'est-ce que vous en pensez? Débattez dans le chat. J'aurais pu au moins le prendre avant de le relâcher. Ouais, zut, non, 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 mais je voulais... Je voulais activer le... Rocher marqué de merde, qu'elle me montre le double rocher marqué. Donc j'ai voulu pousser le truc, mais elles explosent trop vite ces troll bombs là. Oh, j'ai pris la max. Ma vie pue la merde. Ok. Ok, ok. En plus, c'est double bombe. Bah, je l'aurais pas mon double rocher marqué. J'ai le méga sum. Sauf si je prends kamikaze. Mais pour prendre Kamika, je dois prendre des pics. Ma vie pue la merde. Officiel. On est sur Eden, là. Ah zut, attendez, je vais faire l'achievement. Attendez, il faut juste... J'aimerais juste me débarrasser de cette merde. Voilà, merci. Oh, j'ai failli me le prendre, je suis un génie. Comment on fait? Ah oui, voilà.
va pas la taper. J'espère que ça marche après. On m'avait dit que ça marchait même si je l'avais tapé au début. Ça touche la mouche. Ça, c'est un bouquin que je lis à ma fille, ça pas touche la mouche. Il est dégueulasse, ça touche la mouche. C'est une mouche quoi. Bye bye. Ah, on l'invoque en familier. Marrant. Ah ouais. Bye bye. Ah, ça augmente mes Angel Room, le révélation, j'avais oublié ce détail. À côté, j'ai Judas Tong, donc Devil Deal, c'est quand même intéressant. Hein. Les Devil Deal à deux cœurs vont coûter qu'un. Allez, fuck. Oh mon dieu. I have no regrets. Très bien, donc faut descendre. Il va falloir que je drop des bombes, mais je vais faire l'étage x2, donc... Let's go. Ah, donc R2 pour annuler cette merde. Il y a des cœurs rouges dans l'étage, non. Est-ce que je suis un connard? La réponse est évidemment oui. Allez, le bloodbug, là. Est-ce que je joue le mendiant? Oh là là, ça va être une déception intense. Tout ce qui va se passer va être une déception intense. Beaucoup armes, c'est bon, j'ai. Alors c'est cool, mais j'ai plus de thunes. Ok. Je me demande si ouais, mon bouquin va convertir les boss de cet étage. Oh putain, Dross, on a évidemment la version alternative dégueulasse. Je sais pas si je joker maintenant. J'ai assez peu de cœur donc putain, j'ai pas de fucking bombes. Ok. Bon, l'avantage que j'ai par contre, c'est que je suis très très fort pour l'instant. Attends, mais qu'est-ce que ça va donner avec des marques tirs où je tire automatiquement? C'est ou génial ou à chier. Je sais pas. Ça a l'air pas mal quand même. Pas le plus pratique à utiliser, mais... Arrête. Au moins ça règle le problème de la mine. J'ai aussi du coup je vais pouvoir bourrer mon shop. Oh. Allez. Moi je le claque hein. Ok. Échelle de corde, ouais, je peux pas que ça peut pas être là, mais on va tout spammer hein, du coup. Évidemment, on va pas se priver.
coffre est tentant, mais j'aimerais bien trouver une autre clé avant. Merde. Bon, moi j'avais totalement fait cette salle, absolument pas. Ah, rocher marqué. Ah, on respire, on commence à respirer. Les dégâts étaient bons, c'était juste la défense qui faisait peur. Yes. Yes. Ah, ça va mieux. Bon. Fait plaisir en tout cas d'avoir un Dross sans mapping, hein, bien sûr. On va devoir le faire en The Lost. Ah oui, c'est vrai qu'elle donne les crawl space, Navi, donc il n'y a même pas besoin de se faire chier. Bravo, la vie en early, qui eût cru. C'est juste qu'on n'avait pas de bombe. Ça commence à être résolu, ça aussi. Ouais, ok. J'ai pas trouvé le shop. À droite, du coup. J'ai 46.6, donc autant bomber le shopkeeper. Ok. Heureusement que mes dégâts sont débiles parce que c'est pas très pratique à utiliser ce build là. Hein. Oh, un backpack. Et non. Enfin, backpack, évidemment que c'est intéressant, mais ma machine de don, elle est au bout de sa life et c'est pas indispensable. Pour l'instant. C'est Eden le perso là. On pourrait prendre le backpack. Bon, on va voir si j'ai le double deal, sinon c'est Joker hein. Ah non, on aura bien un boss normal. Alors faut que je l'étudie parce que je vais devoir le faire en The Lost. Et tous les boss de ce niveau, je les connais absolument ap. Il va sauter être méga relou. Bon, on a trop de dégâts. S'il fait pas de pattern relou, c'est free. J'ai pas mon Devil Deal, motherfucker. Je peux pas l'avoir... Avec la version The Lost, hein, on est d'accord ? Va falloir que je claque le Joker, quoi. J'allais à la... Il y avait une curse, non, au début hein. Oui, je vais le faire, le couteau. C'est une Red Mother. C'est le dernier truc qui reste à Eden. Ah, si on avait la TP là, ça serait Gucci, hein. Dommage. Non mais je faisais la curse au cas où j'avais une TP vers le Devil Deal. C'était pas pour Joker. Ok, Oh, les dégâts. Oh là là, mais c'est vraiment la foire à la saucisse. On va peut-être l'acheter ce school bag du coup. Queen of Hearts, Soul of the Keeper. Ah merde, peut-être mettre des drops, ça a nerfé le Soul of the Keeper, je pense pas, hein, c'est full RNG. C'est une room à D20 là. Oh là là, j'espérais tellement le démon démoniaque, j'aurais dû le mendiant démoniaque, j'aurais dû le draw avant, parce que là avec tous les cœurs ça aurait été insane, c'était gratuit. Ils m'ont mis un mendiant normal en Devil Deal, fait chier, les salauds. Peut-être acheter le school bag du coup.
Strength va me servir pour un Akin Devil Deal plus tard. Ça sert à rien de faire les miroirs normalement, mais bon. Ah, quoi que. Si ça sert. Bah, je pense à venir le reprendre. Chariot, c'est ma petite assurance vie. Hop. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Ah, j'ai cru qu'elle a... elle s'agitait, mais non. Annule le target shoot, oui, en appuyant sur R2, enfin l'objet pour dropper ses objets ou switcher de carte. Mais je comprends rien à cette chute de l'arme. Franchement, ça me rend dingue. Ok. Ça me rend fada. Ok. Arrête. Alors arrête. Là, la mouche à merde. Okay. C'est vrai qu'on n'a pas joué le mendiant des bombes alors que 12 bombes, un peu chiant quand même. Ace of Clubs aurait été incroyable à la place de Ace of Hearts. On aurait pu jouer avec le mendiant des bombes là. On aurait fait Queen of Hearts puis tout converti en bombe. Ça aurait été beau. Bravo. Là, malgré le fait que je sois lost et que j'ai pas le droit de me faire toucher, il compte quand même tous les cœurs que j'ai, donc je peux pas faire cette salle-là. C'est sad. Feels bad, man. Lucia. L'ultra secrète sans mapping et sans clé rouge, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ah, Dark Bum, oui. Ça fait plaisir. Non, on va pas jouer lui, hein, tant pis. C'est quand même très très bien. Ah, il y a un rocher marqué là-bas, mais comment j'y vais? Non, je peux pas. Faudrait que j'ai un truc pour faire un caca ou autre. Ah oui, est-ce que je vais prendre le school bag? Ouais. Allez, deux bombes. Oui, j'aurais pu les avoir avec The Lost. Idiot. Pas grave. Idiot.
Blank card, y a des combos stupides même si c'était grave nerfé hein. Mintos, merci Mintos. Mintos TV pour le raid, merci beaucoup. Vas-y. Oh non, le potage, le potage. Oh là là. Merci énormément Antifer pour les 8000 bitcoins. Des bises depuis l'Australie, vieux monsieur. Ah, bisous, bravo. J'aimerais bien aller en Australie un jour. Et en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'aimerais bien aller en Australie, mais sans les animaux. Si les animaux pouvaient être AFK quand je vais en Australie. J'en serais gré. Merci énormément. Obligé d'y aller avec mon chat. Parfait. On se le garde pour après le Devil Deal. Mais on est content. Bravo. C'est chiant. Ah oui, il a les yeux en croix, donc diagonale. Ah, en plus, on a un accès à la Curse Room sans reprendre des dégâts. Bah, c'est formidable. Non, on va peut-être garder la source de lumière, non? Oh. Ti. Allez, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Le range infini, voilà, bravo. Challenge room, oui. Oui. Spectral ne me sert à rien du tout. On n'a même pas de tears up, on a rien, ça ne sert à rien, on est d'accord. Hein. Merci Taralak pour les 10 subs offerts, merci énormément. Énormément. Ça ne sert à rien. C'est gratuit. Ensuite, il y a peut-être un monde où je trouve un truc pour reroll. Allez, fuck. Ça sert même pas une transfo, je crois. C'est vraiment la détresse absolue. Ah, j'aurais pu le prendre avec Strength d'ailleurs pour garder mon cœur. Mais vu que je vais prendre le Dead Cat aux F. Ouais, on va se dire ça. Bravo. En vrai, j'aurais pas dû le prendre parce que c'est quasiment sûr que j'ai déjà pris une fois pour la collecte, quoi, mais bon. Bravo. Ah oui, en plus j'avais la blank card, donc strength c'était gratuit quoi. Ouais, et bon, comme dit. J'ai pas besoin de cœur rouge, bien au contraire. Normalement, c'est bon. En tout cas, tant que j'ai strength en main. Je comprends. Ah, je connais pas ses ennemis, mais je passe un très très bon moment. Un objet incroyable. C'est un objet incroyable. Ok. La résistance aux dégâts, on prendra qu'un demi point de dégâts, même contre Mother, ça commence à sentir bon hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va être affreux. Non, ça va. Ah, oui. D'accord.
pour la défoncer, mais je sais pas si j'ai vraiment un intérêt monstrueux à le faire. Grid peut-être, allez. Non. Battery! I have no tunas. Oh là là, oui. S'il y a une bombe là, ça nous annonce le boss de la couillasse. Bien sûr. Ouais, c'est pas chiant. Ah oui, c'est pas chiant, tiens. Ça pourrait cesser. C'est pas chiant, non, c'est pas chiant, hein. C'est vraiment pas chiant. Oh, j'aurais tellement voulu que le Devil Deal se débloque pas pour avoir 100% à l'étage d'après, là. On l'a déjà fait, et que c'était de la merde, et qu'il n'y a plus rien. Ouais, bon. On va full visiter. Pi, 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 pi. Salut Saito, ti, tu, tu. Merci à tous, merci Tolol16. Et Saito, donc. Oui, d'accord. Saito is missing. Bravo! Ah, bah voilà l'argent. Yes, the money. Lisa Monet, yaourt aux fruits. C'est ben pourquoi je les traumatise. Ah, c'est... Tu nous manques, Lisa. Oui. D'accord. C'est DMC à l'aise. Lisa, probablement, hélas. Lisa. Sauf si t'as une petite bite. Ah, ça me manque. J'ai envie d'écouter Yaourt aux fruits là immédiatement. Mais je vais rester fort. Ok. Double batterie, non, c'est pas grave. Quoi que j'aurais pu, mais en vrai, je préférais du mapping ou du damage up. Quoique, ouais, charger deux fois la blank card, ça aurait pu être stupide, surtout si on trouve Chaos. Bon, my bad. Désolé la commu. La batterie était carrément jouable, j'avais oublié que j'avais 15 balles. So be it. C'est nul à chier, TP? Non, pas du tout. Merci. Ok, ça c'est des horizontaux, verticaux. Bravo. Le fortune cookie a chié. Ou le soy milk et la fin de la run. Oh! Sacrifice, faudrait dropper quand même pas mal de cœurs bleus. Hein. Ça se discute. La secret est par haut, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Elle est à gauche. Hop. La synergie entre Attack X et Soy Milk, si, probablement. On doit tirer des rings à l'infini, mais... qui feront très peu de dégâts.
Tiens, en parlant de soy milk, hop. Oh là là, oh là là, oh là là, Molokaira. Nos dégâts, ça commence à pas être trop ça. Hein. Tu. Alors, est-ce qu'on va regretter de pas avoir acheté la batterie? Est-ce que ce shop va être nul à chier? La réponse est oui. Probablement grid. Hein. Il va peut-être arriver, quoi. Pas du tout. Sablier, non, pas besoin. No need, bruh. Magnifique, ça. Tut. Bonjour, MV. Aurais-tu des idées de demande en mariage romantique à réaliser présentement sur Marseille? Enfin, j'essaye de comprendre la ref, je l'ai pas. J'ai pas assez dormi, hein, peut-être. Ah, sablier pour item room, pour jouer planétarium si l'item a chié. Putain, confessionnal. Confessionnal, ça peut donner un objet béni, hein. Et il y a la sacrifice. Mais j'ai pas assez de cœur... J'ai le dead cat, mais ça serait beaucoup, beaucoup trop greedy. Oh, ça fait longtemps, lui. Le petit plaisantin. Oh, ça va être chiant de le toucher avec ce build de mort. Ah oui, je vous le confirme, ouais. Aïe. Ah mais non, mais je suis con, j'ai des matchs Redus. C'est chiant. Oh, c'est... Oh, que c'est chiant. Ah oui, je le touche pas, je le touche jamais. Oh là là, oh là là. Non, faut que je le mette près de moi, faut que je le mette près de moi et que je reste fort dans ma tête. Donc quand il sort, je vise qu'au milieu, hein, et puis je le touche forcément à un moment, quoi. Voilà. Ok, c'est chiant. Sacrifice Room, ça va avec Wafer. Ah oui, du coup. Attendez, d'abord, on va se faire chier. Pas oublier les bases. Vous n'avez pas les bases. Allez. Ah oui, du coup, c'est là que je retourne avec mon build d'origine. Hein. Énorme. Oh, la Mintos TV, incroyable. Ça fait 5 siècles. ...0,90 de speed, bon, on a connu pire. Allez, c'est y part. Oh 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 oh. Vas-y, allez. Vas-y. Énorme. Merde. Oh, la clef. Ah, j'ai cru que c'était bon. C'est pas grave, hein. On a beaucoup de life. Ah oui, mais faut que je pense à ma sacrifice room aussi. You need to think. Oh. Isaac. Pas de wafer dessus. Allez, salaud. Salaud. Ah bah oui, parce que j'ai pas d'objet, oui. Exa. Où est-ce que je fais ma connerie? Allez, c'est y part.
Je me sens béni des dieux. Oh, c'est la première fois que je l'ai. Redemption, sauve-moi du mal. Ouais, je l'avais vu que sur un autre stream, je savais ce que ça faisait, je sais pas, me dites pas Rin. Ok, bon, je vais chercher les cœurs bleus, hein. Je vais taper de l'ange. Laisse bien raisonnable quand même de prendre autant de dégâts. Je ne sais pas. Aïe aïe aïe, j'espérais les Soul Hearts. Ensuite, on va pas dire non à tout ce pognon. Et j'ai pas encore affronté Grid, je pense que j'aurais plus de shop. Au pire, ça ira dans la machine de don. Hein. On n'a jamais prévu de faire méga Satan. Je vais m'arrêter là, hein, peut-être. Hein. Peut-être arrêter là les dégâts. Oui, il y a le refil de shop, mais l'objet qui était en vente ne m'intéresse absolument pas. Alors oui, oui, non. Enfin oui, le sablier peut être intéressant, mais non. Sablier plus item haut, mais ça va être tard pour avoir... Ah, quoi qu'on a... Si, on peut avoir un planétarium. J'abandonne ma blank card, du coup. Une carte pour farm le confessionnal, vite fait, mais... Hop. Attention, ça va être très décevant. Ah non, j'ai gagné un cœur bleu. C'était worse. Bravo. Ah merde, il y avait un double. Mais j'ai pas eu la super secret. Ah bah si, c'est le confessionnal. En quoi ça aide le sablier pour le planétarium? En gros, je rentre dans l'item room, si l'objet est merdique, j'utilise le sablier et en fait, j'ai pas ouvert l'item room officiellement. Du coup, je gagne 20% de chance d'avoir un planétarium à partir de l'étage d'après. 20% de chance de plus. Ah si. Or qu'elle aime. Vas-y. C'est tard pour le planétarium, on est d'accord. Hein. Je pense que c'est un peu perdu d'avance, mais bon. On va jouer. Si on rentre pas dans le shop, non, c'est si on rentre pas dans l'item room. Aïe. Quoi? Pourquoi j'ai pris double? C'est normal? Oui, c'est normal. J'aurais pu bomber ça. Bon, bref. Nanana. Ah oui, et sablier plus store refresher, oui, pour le magasin, ça peut être très intéressant aussi. Ah, ok. Oh là là! Mais oui, je me souviens, putain, j'avais la run The Lost Imperdable et il y a lui qui m'a pécho. Oh là là, c'était un cauchemar, ça. Ah, le traumatisme est revenu, là. J'ai pas de mapping, hein, j'aurais jamais de mapping, ça fait toujours plaisir. Ça te dirait de le toucher, just in case. J'ai appuyé sur R2 pour qu'il arrête de tirer, et du coup j'ai switch d'objet, ma vie plus le sexe officiel. Du coup, faut que j'attende d'avoir le sablier de recharger. C'est chiant. Ok. Ah
Mais c'est méga chiant. Attends, mais j'ai loupé une subtilité. Ah bah non, oui. J'ai loupé une subtilité en effet. Ok. Burstright avec Eden, c'était... Ah non, c'était avec Tainted Eden que ça avait bloqué ces objets. Donc avec Eden, c'est autre chose. C'était au choix. Hein. J'hésitais à prendre le point d'interrogation, options point d'interrogation, mais je me suis dit que ça allait disparaître. Ça me va très bien, la viandasse. D'accord, hop. Pour notre machine de don, ça. Oh. Ni l'un ni l'autre. Ok. Alors... Oh, oh le, oh le, oh c'est chiant. Ah. Oh, vous emmerdez pas hein, surtout hein. Ah. Pas la bonne machine de don, hélas, avec ce qu'on vient de trouver. Pas la bonne machine à jouer. Ah, ok. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment fait ça. Très bien. Ah, le rituel. Je me souviens plus, je me souviens plus. Je me souviens que c'est chiant, mais... Okay. Ah oui, c'est le Hound version améliorée. Ok, ok, ok. C'est chiant. Oh, oh, c'est chiant. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Mais encore. Ah, ah non, c'est vraiment nécessaire, ça. Ah bon. Ok, je le connaissais pas. Enfin, je l'avais pas vu assez longtemps la dernière fois pour savoir que c'était de la merde. Oui, ce que j'allais dire, si je sablier, si j'ai pas eu de Devil Deal là, j'en aurais pas allé au try d'après, ou si c'est possible. Merci Johnny Mouillette encore pour les 5 subs offerts. Sanji Hart pour les 1000 bitcoins, merci beaucoup. C'est sidé, ouais, c'est ça. Hein. Dommage. Je pourrais, vu que je me suis fait toucher pas mal de fois, remettre le couvert. Ouais, bon, allons-y. Ça va être pire, là. Ça va être pire, ça va être incroyable. Je vais être prêt, ça va être pire. Insane. Voilà. La merde. La merde. Il a pas fait le même pattern. C'est atroce.
C'est atroce, je le déteste. Officiel. Ok. Oui ! Oh, c'est pire. Je déteste ce boss. Mais en même temps, je le connaissais pas. Ok. Oh, Serge et Wafer, mais ça serait bien de... Ah, ah oui, non mais vraiment officiel, c'est vraiment de la merde. Qui me touche ? Ah, je voyais pas, putain ! On va crever. Énorme. Avec Wafer, j'ai plus de cœur. Je vis un moment exécrable. Hiérophante, là. Moment, hein. Justice. Reste frais. Pas d'échelle de corps trouvée ever, hein. On n'a jamais vu une... Ou bien j'ai pas fait gaffe, mais... C'est nul. Il y avait le danger de se prendre une télépills, mais vu que j'avais pas eu de trucs dégueulasses, ça allait. Un risque acceptable. Faut que ça cesse. Bravo. Pas mon sablier. Putain, j'étais full cœur, tout ça pour cette sacrifice room qui était pourrie. Enfin si, j'ai eu un truc mais je sais pas ce que c'est. Énorme. Putain, je connais pas les ennemis de Géena, c'est incroyable. Ok. Ah, t'as Aeroflunk, merci. Merci Orphaz. Allez, c'est Tipar. J'ai mon sablier. Big Beautiful Fly ou Butterbean. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Du coup, je suis à 41% de planétarium pour Corpse 1 et 2. C'est bon jamais, hein. Non ! Mais y'a pas le temps de se barrer. Oh, c'est de la merde. Quoi ? Mais... J'ai plus de sablier, là. Ah non. Dommage. J'ai passé un moment exécrable. Pas la gagne, hein. Oh non. Bah oui. Y a rien à faire surtout. C'est ça qui est bien. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. 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 Sans Wafer, j'étais mort, hein. Lol. Faudra que je bois ma machine de don.
c'est infernal. Je connais pas assez ces états, je suis toujours en panique perpétuelle. Vas-y. Cœur noir là. On tente des trucs. Perdu pour perdu, allons-y quoi. Hein ? Pourquoi ils sont revenus ? Et pourquoi ? Putain mais... J'aurais pu, j'aurais dû. Ouais. J'aurais pu, j'aurais dû. Du coup, j'ai pas mon sablier pour le boss, je suis un génie. Mais j'aurais dû faire ça direct. Ah, mais oui! Oh! Saved! Oh, rien à foudre! Rien à foudre de la machine de don! Ah oui, Bible marchera contre le cœur. Ah. Attendez, on est... Ah non, je suis Géana 2, là. Ah, mais je pourrais pas aller rechercher le bouquin de révélation derrière. Si. Non. Je crois que ça condamne l'accès. Souls Converter. Mais Souls Converter, c'est... Non, mais il est trop loin. Mais The Star, je veux pas vu qu'on joue Planétarium. Allez, j'en ai rien à la foutre. Ok. Quoi ? Mais what the fuck en fait ? Oui, elle est un peu alternative. Ah, alternate. Bon, on le saura. Ah, je vous dis, j'ai vraiment pas assez fait l'axe anti-burst. Hein, c'est très grave. 1, 2, au secours. Et c'est l'autre qui me touche. Un, deux... Mais c'est génial! Ah, j'ai pris ça alors que j'aurais pu jouer Polaroid. On va jouer négatif du coup. Lord of the Pita, hein, c'est oui hein. Oui, il est survitaminé lui aussi. Je sais plus. Il n'y a plus le couteau pour le added DPS. Dommage. Planétarium là. Alors là je connais vraiment pas. Ça va être trop bien. Eux je m'en souviens. C'est relou. Oh, y a les petites larves à merde. Ok c'est chiant. Très bien. Sympathique, mais ça vaut pas de se prendre des dégâts.
dans la petite salle de Moor. Pas de planétarium dans Corse. Ah, Gamonimus, Tyrone. Donc j'ai fait tout ça pour rien. J'aurais pas de planétarium, ma vie pue. Allez. Ah, j'ai le sablier ? Oui. 2 clés, 3 clés, 4 clés. Waouh. Je vais tirer tous les 55 ans, on est d'accord. Alors, sans Mascara Dev, je tirerai un peu moins tous les 55 ans. De dégâts, mais j'ai vraiment peur que ça soit pas utilisable. Je sais pas. Oui, shot speed down, c'est bien pour ta kicks, mais... Allez, on le joue. Oh, l'erreur. Run over. Non, mais on est là pour faire des expériences, quoi. Ah bon, faut toucher, mais ça déboîte, quoi. Non merci. Pas mal, pas mal. Ok. Ah, je me souviens plus. Je crois que celle-ci c'était les mouches, mais peu importe. Quel enfer ! Pardon. Bah oui. Typiquement le genre de salle où le fait qu'on tire tous les 8 ans est un peu handicapant. Ah, la Sacrifice Room, la bonne blague ! On a confessionnal, on a sacrifice room, on a le mendiant des cœurs. J'ai pas drop assez de cœur rouge dans le niveau, c'est terrible. Mendiant des clés, intéressant. Sacrifice avec la les sabliers. Ah oui, ouais, j'avoue. Ça fait. On peut avoir une dinguerie, hein, sacré d'art ou je ne sais quoi. Ensuite, il faudra vraiment qu'il y ait les cœurs bleus, sinon c'est absolument pas rentable. Ah, mais je peux avoir une TP. Et là, je suis dans la merde si j'ai la TP.
Je le sens pas. Ok, alors. Du coup, mendiant probablement. De toute façon, on n'a pas eu d'item room, donc même si on avait les cœurs bleus derrière, j'avais peur d'une TP surprise. Pas mal, pas mal. On pourrait jouer tous les mendiants en réalité, hein, même celui des bombes. Hein. Ah, j'aurais pu jouer Polaroid hein, finalement. Grâce à ce mendiant, mais tant pis. Non. J'avais absolument pas les moyens de réagir avec mon tir pourri. C'est génial. Sauf s'il y a de la pousser manuellement. C'est que la challenge room était merdique. Ah, j'ai pas mon sablier. Après le boss. Pourrait éventuellement tenter le petit diablotin, voir si c'était rentable ou pas. Même lui en réalité. En quoi que. Arrêtez avec Soul of the Lost quoi. Casse les couilles là. Magician plutôt sympa. Regardez Strength pour le Devil Deal mais. Voilà pourquoi j'hésitais à prendre le sablier, parce que s'il me pique toutes mes clés en me donnant rien, je vais quand même faire la gueule, on a un étage derrière. Envie de canner. Envie de canner officiel. D'accord. J'en ai plein le huc. My huc is full. Il donne un sac à la fin, marrant ça. Justice. Magicien pour moi, moi clairement. Pas pour Mada. C'est reparti pour farmer un coup. Je garde 8 bombes, je ferai tout avec le sablier de tout à l'heure. Ça se trouve, les deux vont me baiser, je sens que c'est bien parti pour. Je reste frais. Je connais pas. J'aime pas. Ouf. Ouf. Ouf.
Bravo. Ah mais c'est ça Redemption, il y a un truc au milieu et là j'ai perdu. Ah mais fallait jouer avec l'icône qu'il y avait sur ma gueule, fallait y aller au bon moment. Merde, j'ai pas fait gaffe, j'ai vu qu'au moment où je recheck, j'avais l'icône sur la gueule. C'est de la merde. C'est de la merde. Ensuite Delirium, ça peut être du dégât rajouté, mais ça peut aussi être ça peut être Bob's Brain. Ah, je peux retry Redemption. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai mon diablotin. J'ai mon sablier, mais mon sablier, je voulais garder pour le petit... le diable. Je suis le diable. Quoique... Vas-y. Mais non! Putain, vous me dites, vous avez le sablier. Au moment où j'utilise le sablier, je me dis, mais non, ça sera fermé, ça sera condamné. Merci pour vos précieux conseils. Ok. Bon, c'est pas grave. Très bien. Ne pas m'énerver, bien sûr. Strength. X-lax. Mais j'ai plus le sablier, je fais ça. Ok, donc stop. Et je te file 3 bombes. C'est ton moment de briller. Ok. Ok, encore quelques solutions. L'opti à tout prix. Et quelle heure? Alors, on va faire une run quoi. Et demi. Putain mais mon The Lost c'était imperdable, la dernière fois on aurait godé. Donc ouais ça je le bombe, hein. Fuck. Et peut-être des cœurs du coup. Merci. Plus tard probablement. J'hésitais à continuer un métal ce soir, mais je le continuerai sûrement ce soir slash cette nuit. J'aimerais bien le terminer parce que demain, il y a Metroid Dread qui sort, bordel de merde. Et moi, j'étais un believer dès le début pour Metroid Dread. Et a priori, les retours sont excellents. Donc je suis content. Ah, Equever aussi, il peut être très excité. Il a sûrement déjà défoncé. Plus de 100 heures de speedrun. Ah. Le problème, c'est que Metroid, il y a tellement des joueurs hors pair XXL sur les séries Metroid. C'est injouable hein, de speedrunner. Mais j'avoue que, ouais, clairement, s'il est, il est très très bien. Enfin, c'est clair que de toute façon, il va déclencher une hype au niveau du speedrun, c'est quasi obligatoire. C'est intéressant. On va se faire baiser une fois de plus. Ça, c'est magique. Mais avec Wafer, bon. Ah si, inintéressant. Je suis sûr que c'est Friends Till the End, mais bon. Je suis pas sûr à 100%, donc... C'est pas assez essentiel pour que j'y aille. Allez! Magnifique.
Pas de rocher marqué, rien du tout, Micheline. Aïe, aïe, aïe. Donc quoi, eux font chier, ça c'est sûr. Ok. Faudra le faire quand même. Ouf, injouable. On a pu faire. Fly, fly, fly. Ok, go. Magnifique. Oh, j'ai déjà beaucoup d'armes cependant. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ah bah le bouquin de Bethany par exemple. Ouais. On peut utiliser Monster Manual et se faire troller pour l'étage. Ça serait énorme. Ça c'est juste pour l'étage, c'est Joseph. Je prends un risque ici. Que s'il dépop direct, j'aurais l'air bien con. Qui va se passer 100%. J'ai un mendiant, mais s'il me donne son objet direct, j'ai plus l'effet du négatif. Pas tout de suite. Maintenant tu peux. Maintenant tu peux. Tu peux y aller. C'est maintenant. C'est ton moment. Comment ça marche s'habiller plus plus Book of Bethany vu que bon dans les fêtes c'est pas arrivé. Pour le speed up pourquoi pas. Ok. Bon allez, en vrai on est bien là. Hein. On termine. Petit bonhomme. Quoique Mother, je la connais très mal. Hein. Il y a un monde où ça se passe pas bien. Comme souvent. Ok. Oh la Sacrifice Room. Oh la Sacrifice Room de la mauvaise idée. Oh, il y a une secrète aussi. Bon, comme on dit, on a le sablier. Ça a bien fait une... Mais par contre, si le truc s'habillait autour de moi, là... Oh, ça serait terrible. Si le... Ça me fait sortir de la pièce. Ça va me faire sortir de la pièce quand elle va péter. Ah ouais, ah ouais, ça va être divin, ça. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte d'en faire l'expérience.
Merde. Non, non, non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah mais non, en plus, il a disparu. Donc là, j'ai pris le cœur rouge et je l'ai dans le huc. Merci à tous. Non, c'est pas trop grave. C'est pas... Si c'était Polaroid, c'est dramatique. Est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête. Ça, si t'as pas de speed, ça doit être divin. Faut que je recharge mon sablier. Le free hug, c'est ça. C'est la Japan Expo. Waouh, pas mal. J'ai vu le warning qu'après. La bonne nouvelle, c'est que le sablier m'a pas ramené en arrière. Qu'est-ce que je fais? Eh, je le connais très mal en fait. Hein. Là, je m'en souviens. Ah oui, mais putain, le... Pour rester au milieu. Ah mais le warning il est inexistant quoi. Qu'est-ce que j'ai débloqué comme merde? C'est un truc tout glitché là. Ça me plaît pas. On va faire Godhead. Hein. Oh là, trois secrets sur ce run, grâce à notamment à la petite mouche mignonne. Bravo! 448. Merci le Wafer, ouais. Bon, gagner 100, mais ouais. Wafer nous a carry. Donc c'est bon, Eden est complète, mais pas The Lost! Putain, j'ai le démon! Des bisous YouTube.